Bonjour Amédée. Bonjour Mario. Amédée, tu peux nous parler de l'activité de DWS depuis début d'année? Oui, alors cette année, DWS a vu sa collecte continuer à très bien se porter. Les encours actuellement se portent à 933 milliards d'euros au global. Et sur le marché français, on voit un intérêt accru sur les actions, notamment sur les actions thématiques. Merci. Alors je crois qu'aujourd'hui, tu veux nous parler tout particulièrement du fonds d'intelligence artificielle. Oui, parmi l'intérêt accru actuellement sur les fonds thématiques, il y a le thème de l'intelligence artificielle. Nous avons lancé il y a quasiment 6 ans maintenant un fonds d'intelligence artificielle sur les actions internationales, avec un encours qui dépasse le milliard d'encours aujourd'hui et qui investit en fait sur 3 grands piliers, tout ce qui est stockage, tout ce qui est puissance de calcul et également tout ce qui est cas d'usage, puisque aujourd'hui on n'est vraiment qu'au début de cette révolution de l'intelligence artificielle et on trouve régulièrement des nouveaux cas d'usage, que ce soit dans l'industrie, dans les services ou dans la santé par exemple. Alors, hors thématique, il y a un autre fonds peut-être dont tu veux nous parler ? Oui, alors il y a toujours notre flagship DWS Concept Kaldemorgen, qui est notre fonds multi-asset, qui est vraiment notre référence sur le multi-asset. C'est un fonds qui a extrêmement bien passé la crise de cet été, qui a un excellent track record et qui se positionne plus que jamais aujourd'hui comme un placement avec un couple rendement risque très attractif. Très bien. Eh bien, merci Amédée. À très bientôt sur les antennes de Patrimoine 24. Merci Mario.